ça y est, miracle! C'est le retour de ma chaîne YouTube qui était enfouie sous des tonnes de poussière depuis je ne sais pas combien de temps. Bref, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Eh bien déjà, on a eu le Salon du Livre de Paris en mars, que j'ai fait avec mon amie et complice Jeanne Célène. Ça a été un événement tellement exceptionnel que nous allons le réitérer. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en mars 2020, à Paris. Ensuite, il y a eu la réédition du journal de Lorelai. J'avais promis de faire une réédition par an. Eh bien, ça y est, j'ai tenu parole. En mai, la sortie de Sans peur et sans reproche, qui est une romance sous le seuil de Provence. Vous avez peut-être dû voir passer quelques choses sur tous les réseaux sociaux. Ensuite, cet été, j'ai bien travaillé, puisque j'ai écrit une dystopie qui devrait sortir fin octobre. Le 24 exactement. Donc en ce moment, je suis en pleine correction. Ça m'occupe vraiment pas mal. Ensuite, j'écris aussi la suite des carnets de Louane. Donc le tome 3 qui s'intitulera Vendetta. Tout un programme. Donc voilà, je... Ah oui. Il y a aussi des projets secrets. Donc je ne peux pas en parler parce que c'est secret. Mais je vous en parle quand même. Ah, voilà. Et donc ça, voilà, j'ai quelques projets secrets sous le coude et ça devrait vous plaire. Ouais. Ensuite, eh ben, je vais vous laisser parce que sur cette très courte vidéo, derrière, vous entendez, il y a Powerwolf. Et quand je mets Powerwolf, ça veut dire qu'il faut que j'aille travailler. Donc je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez continuer à avoir des nouvelles.